Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Voilà. Oui. Je voulais d'abord vous dire que je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau cycle du cours méthodique et populaire. Bon, populaire, c'est à vous de voir. Méthodique, pour ce qui me concerne, je ne garantis pas. Mais j'ai quand même fait des efforts d'argumentation pour essayer de répondre à cette question de quoi le vide est-il plein ? Ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est la raison pour laquelle je l'ai proposé, c'est que le mot vide, quand on l'entend dans des phrases communes ou bien quand on regarde l'histoire des idées, est une notion qui a été constamment et qui demeure d'ailleurs ballottée entre le néant, avec l'idée que le vide, finalement, ce serait rien, ou ce ne serait pas. Le vide ne pourrait pas exister, par exemple, on y reviendra. Ballotté entre cette idée de néant, qui est problématique, et l'existence. L'idée que le vide serait quelque chose de particulier, qu'on appelle le vide, mais qui ne serait pas rien. Et il se trouve que l'histoire de la physique se confond avec l'histoire du vide, ou l'histoire du vide se confond avec celle de la physique, c'est-à-dire qu'on pourrait presque raconter la physique en racontant comment, au cours des âges, ce mot, qui est resté le même, a désigné, a habité des concepts qui peuvent être très différents. Et donc l'histoire du vide, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est une histoire pleine, au moins de rebondissements, et c'est un argument évidemment qui n'est pas suffisant pour dire que le vide lui-même serait plein, mais ça sera quand même ma conclusion. Alors pour commencer l'histoire, j'ai choisi de parler de Parménide, 5e siècle avant Jésus-Christ, même si sans doute évoquer cette figure de la philosophie ne constitue pas un véritable commencement de l'histoire du problème du vide, et même si la question du vide a pu être discutée dans d'autres civilisations que la grecque. Il y a eu par exemple un atomisme arabe, il y a eu un atomisme chinois, il y a eu un atomisme indien. Or, vous savez que l'atomisme est une théorie de la matière et même de l'univers qui sollicite explicitement le vide. Et donc, on ne peut pas dire que cette question du vide était l'apanage des Grecs, mais je vais quand même, de façon peut-être arbitraire, commencer par Parménide, ce philosophe grec qui s'est interrogé sur les relations entre le un et le multiple, comme beaucoup d'autres, et qui, comme le dira Nietzsche, a été saisi par le frisson glacial de l'abstraction. On doit en effet à Parménide la première insertion de la question de l'être à partir de celle de l'un et du multiple. Alors ce qui m'intéresse dans mon propos là, c'est comment est-ce que Parménide définit-il l'être, ce qui est ? Il répond par la parfaite identité à soi-même, est ce qui est parfaitement un. Donc exister, c'est simplement, pour Parménide, être identique à soi-même, une sorte de tautologie, mais Parménide va un peu plus loin en proclamant une assertion qui est devenue célèbre, selon laquelle l'être est et le non-être n'est pas. Et l'argument principal qu'il avance est qu'on ne peut connaître ce qui n'est pas ni l'énoncer, car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose. Et donc si le non-être n'est pas, n'existe pas, il ne peut donc pas être pensé. C'est l'argument de Parménide, et avec un argument de cet ordre-là, il niait évidemment l'existence du vide, qu'il assimilait à du non-être, à du rien, à du néant, c'est-à-dire, selon lui, à de l'impensable. Et cette idée de Parménide me semble très profonde, car en effet, dès que nous tentons d'imaginer le néant, dès qu'on essaie de s'en faire une idée, nous lui attribuons aussitôt des propriétés, nous en formons une représentation, bref, nous en faisons aussitôt quelque chose qu'il ne peut pas être par définition.
Et donc, dès qu'on pense le néant ou le non-être, on le contredit. Et Parménide découvrait là quelque chose de fondamental, une sorte de vérité métaphysique, si ça a un sens de juxtaposer ces deux mots. Et cette vérité va irriguer toute l'histoire du vide, du moins du vide lorsqu'on l'assimile au néant. Nous ne parvenons à penser l'absence d'une chose que par la représentation de quelque autre chose. Penser le néant, c'est donc immédiatement transformer le néant en autre chose que du néant. Et Bergson, comme vous le savez sûrement, a pris acte de cette impossibilité à penser le néant en remarquant que dans notre esprit, abolition veut dire d'abord substitution. Vouloir tout abolir pour penser le néant est une tâche intellectuellement impossible, car ce faisant, nous substituons, en douce on pourrait dire, au néant autre chose que lui-même. À l'examen, l'idée de néant apparaît comme destructrice d'elle-même. Dès qu'elle nous vient à l'esprit, le mouvement de notre pensée transforme le néant en une substance particulière, en une sorte de vide, justement, auquel l'air de rien, c'est le cas de le dire, nous attribuons un corps, une matérialité, que le néant ne saurait posséder sans contredire sa propre définition. Et c'est ça le premier paradoxe du néant, soulevé d'abord par Parménide et repris ensuite par beaucoup d'autres, dont Bergson que j'ai cité. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Et c'est cet écart-là qu'il faut interroger. Qu'est-ce que nous mettons entre le fait de penser le rien et le fait de penser à rien? Alors je reviens à Parménide pour dire que, en plus du vide, il a rejeté le changement, le devenir, comme on dit, et même l'idée même de mouvement, au motif que toute évolution ou tout mouvement met en relation l'être et le non-être, qui n'existe pas pour Parménide. Et donc le mouvement est impossible. Cette exclusion du néant par Parménide paraîtra, évidemment, parce qu'elle l'est, paradoxale à certains de ses successeurs, qui remarqueront qu'on ne peut pas, qu'on ne peut écarter de l'existence le non-être sans faire une concession. Et cette concession, ça consiste à l'affirmer comme étant le néant. On dit que le non-être est le néant. Et donc, on en fait le sujet du verbe être. Et donc, pour Parménide, on fait être le non-être. D'où la contradiction que j'évoquais. Dire que le non-être est le néant, c'est l'ontologiser et donc en faire quelque chose qui existe. Alors les arguments qui suivent évidemment sont passionnants, mais je vais pas m'y attarder parce que je ne suis pas vraiment compétent. Simplement, je rappelle que cette subtilité logique que je viens d'évoquer sera reprise par Platon lorsqu'il fondera son acte parricide à l'égard du père de la philosophie, Parménide, affirmant qu'il existe une modalité du non-être qui peut se réaliser sous certaines formes. Alors chez Platon, c'est par exemple l'image d'une chose. L'image d'une chose, c'est du non-être et en même temps, c'est une modalité d'être. On pourrait parler aussi du simulacre, de l'erreur, ou même de la simple notion de négation. Et donc, il y a là à poser des questions qui vont se retrouver sous des formes différentes dans toute l'histoire du vide, confondu ou non avec le néant. Et si on résume cette histoire, et si on essaie même d'en proposer une vision caricaturale, on voit que des qualificatifs très divers ont été évoqués dans des contextes différents pour désigner un certain milieu, un certain médium, un certain substrat, vous voyez que j'essaie d'employer des termes assez neutres, qui est défini par ses fonctions et par ses propriétés. On parle par exemple d'espace
lorsqu'on s'intéresse au repérage des objets, à leur mouvement, et on pourrait dire à ce titre-là que l'espace, ce qu'on appelle l'espace depuis Newton, c'est le vide de la cinématique. On peut aussi parler de vide ou de substance lorsqu'il s'agit d'hydraulique. Quand on essaie de faire le vide, de réaliser des pompes à vide, c'est de ce vide-là qu'on parle. À d'autres endroits, on va parler d'éther lorsqu'il s'agit d'interaction ou de propagation. On pourrait dire que l'éther, dans beaucoup de théories physiques, constitue la matière du vide. Vous savez qu'au XIXe siècle, par exemple, et j'y reviendrai, eh bien, on a inventé l'idée d'éther luminifère, puisqu'on pensait que la lumière était un phénomène ondulatoire, et on ne pouvait pas concevoir qu'un phénomène ondulatoire, comme le son par exemple, puisse se propager au travers de l'espace sans faire vibrer un certain milieu sur son passage. Bon, pour le son, c'est par exemple l'air ou n'importe quel autre corps qui permet sa propagation. Et pour la lumière, pensait-on, il doit y avoir un milieu partout présent, l'éther luminifère, qui n'a qu'une fonction, celle de vibrer au passage de la lumière. Et on pourrait donc imaginer que cet éther, c'est une sorte de matière du vide. Et dans la physique la plus contemporaine, on a pu assister à des sortes de renversements. Vous savez qu'il y a certaines théories, comme la théorie des supercordes, qui envisagent le vide comme le lieu de création de l'espace, et non plus seulement comme la simple matérialisation physique de l'espace. Et donc vous voyez qu'en 5 minutes, on arrive à associer le mot de vide à toutes sortes d'autres mots, et donc on peut dire qu'il y a une sorte de polysémie fulgurante du vide. Le vide est sans contexte, un signifiant flottant, pour parler comme Jacques Lacan, mais ça ne le rend pas pour autant complètement arbitraire, car les différentes notions qu'il couvre ou les diverses appellations dont on l'affuble ne peuvent pas être complètement dissociées les unes des autres. Elles ont des propriétés communes. À une époque donnée, pour expliquer tel ou tel phénomène, les partisans du vide se sont certes opposés aux partisans de l'existence d'une certaine substance, mais en réalité, malgré leur divergence apparente, ils n'ont fait que qualifier de façon différente le même objet physique, à savoir le vide, dont ils ont discuté les différents avatars, pour reprendre des mots utilisé dans le titre d'un ouvrage rédigé par Marc Lachaiseret. Et donc il est possible, et j'y reviendrai dans ma conclusion, que la physique d'aujourd'hui se trouve dans une situation similaire. On peut tout à fait défendre l'idée que le vide quantique, l'énergie noire, le champ de Higgs ne sont que les avatars contemporains de l'idée ancienne de vide, et que là encore, comme cela se produit souvent en période de crise, la physique elle-même se trouve victime de problèmes de langage. Si le vide est plein, pourquoi continue-t-on à l'appeler le vide ? Alors, l'épopée du vide, si je peux l'appeler ainsi, nous ramène aussi, j'ai parlé de Parménide, mais c'est une épopée qui nous ramène aussi aux atomistes grecs, pour lesquels, comme vous le savez, il n'y a que des atomes et du vide. Alors quand on lit cette phrase, évidemment, on voit un mot vide qui est le même que celui que nous utilisons aujourd'hui, mais c'est très difficile d'imaginer ce que ce mot prononcé par un grec de cette époque évoquait dans son esprit. Est-ce que c'est pas notre compréhension actuelle du vide que nous projetons dans le sens qu'il avait à l'époque? Et donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vraiment comprendre ce que voulait dire Démocrite, ou bien Leucippe, ou bien Épicure, ou plus tard Lucrèce, lorsqu'ils prononçaient cette phrase? Pour eux, le vide, c'était la condition du mouvement et même de l'existence des corps. Démocrite dit par exemple, le vide n'existe pas moins que les corps. Ça veut donc dire que le vide existe
autant que les corps, il est même la condition d'existence possible des corps. Ce vide, d'après lui, est illimité, et les atomes, qui sont considérés comme pleins, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de vide, ne contiennent rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils ne contiennent donc pas de vide, et ils se déplacent simplement au sein du vide. Alors, je viens de le dire, les atomistes justifient l'existence du vide par la possibilité du mouvement. Comment un corps pourrait-il se déplacer ailleurs si cet ailleurs n'était pas vide? Et donc, pour qu'un corps puisse se déplacer, il faut qu'il y ait du vide autour de lui, que par son mouvement, il puisse coloniser. Je les cite. « Si ce que nous appelons vide n'existait pas, les corps ne sauraient où se tenir, ni où se mouvoir, alors qu'ils le font de manière évidente. » Fin de citation, c'est une phrase d'Épicure, écrite au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le vide existe donc, puisqu'il doit exister dès lors que nous constatons que les corps sont capables de mouvement. Vous voyez que le vide dont parle Épicure, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'espace. C'est-à-dire, c'est un réceptacle, une pure extension, capable de recevoir les corps, la présence des corps. Alors, Aristote, si bien connu, va contester cette conception. Il considère, lui, qu'un mouvement ne perdure que tant qu'agissent les forces qui s'exercent sur le mobile. Pour être mu, dit-il, il faut être mu par quelque chose. Si la pierre qui a quitté la main du lanceur poursuit son mouvement, c'est parce que l'air qu'elle a déplacé vient se glisser derrière elle et la propulse. En d'autres termes, la présence d'un certain milieu, qui n'est pas vide, est nécessaire au mouvement. Et voilà pourquoi Aristote va nier l'existence du vide contre les atomistes. Et en réalité, il y a chez Aristote, j'en suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu quelques livres, il y a d'autres arguments. Par exemple, pour lui, tout espace doué de dimension constitue un corps. Un espace vide constituerait donc lui aussi un corps. Qu'un objet matériel vienne à occuper cet espace, et deux corps se trouveront au même endroit, ce qui est absurde. Deux corps ne peuvent pas être au même endroit. Si le vide a une extension spatiale, c'est un corps, et donc il y a une contradiction. Et vous voyez que là, je ne veux pas faire de rétroprojection théorique, mais là, on a là quelque chose qui ressemble à un énoncé ou à une version antique du principe d'exclusion de Pauli. Pour ceux qui connaissent la physique quantique. Le principe d'exclusion de Pauli dit que deux particules ne peuvent pas être dans le même état quantique. Elles ne peuvent donc pas être au même endroit dans le même état physique. Ça ressemble un peu à Aristote. Deuxième argument d'Aristote, tout mouvement serait impossible dans le vide. C'est exactement le contraire de l'argument des atomistes. Eux, ils disent tout mouvement est impossible s'il n'y a pas le vide. Et Aristote dit « Tout mouvement serait impossible dans le vide. Pourquoi ? Parce que dans le vide, il n'y a ni haut ni bas qui sont les lieux naturels où vont les corps. Les corps légers vont vers le haut, les corps lourds vont vers le bas. Et donc si le vide n'a ni haut ni bas, les corps ne pourront pas s'y déplacer. Un mobile ne saurait non plus venir au repos dans le vide, car il n'aurait aucune raison de s'arrêter ici plutôt que là. Le vide serait une sorte de milieu arbitraire où aucune position ne pourrait être privilégiée. Troisième argument d'Aristote, le vide n'opposant aucune résistance au mouvement, les mouvements s'effectueraient instantanément, de manière infiniment rapide, ce qui est absurde puisque l'infini en acte ne peut exister aux yeux d'Aristote. Et vous voyez que là on a une sorte de version antique de l'impossibilité relativiste de dépasser la vitesse de la lumière. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans, parce que
Ça me conduirait à dire que la physique contemporaine est déjà dans Aristote, ce qui n'est pas du tout mon propos. Quatrième argument, répondant aux atomistes selon lesquels certains corps sont moins denses que d'autres, simplement parce qu'ils contiennent en proportion davantage de vide, Aristote soutient au contraire que les diverses densités des corps sont dues à leurs essences différentes. Et donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'arguments chez Aristote qui viennent se renforcer mutuellement pour affirmer que le vide ne peut pas exister. Et puis d'ailleurs, quand il parle du monde supralunaire, Aristote mentionne explicitement une certaine, je cite, une certaine essence corporelle différente des substances qui sont autour de nous, supérieure à toutes ces substances et plus divine qu'elles, et c'est ce qu'il appelle l'éther, qui n'est pas du tout l'éther luminifère que j'ai évoqué, mais qui est un autre avatar du vide. Le terme d'ailleurs éther remonte à une antiquité encore plus reculée. Dans son traité du ciel, Aristote lui attribue une étymologie qui est, paraît-il, non conventionnelle, qu'il associe, je le cite, à ce qui court perpétuellement et donc au mouvement. Cet éther ni lourd ni léger, non engendré et inaltérable, non miscible aux autres éléments, constitue bien une entité différente du reste de la matière. Et finalement, du vide tel qu'il sera évoqué par la suite, il ne lui manque guère finalement que l'appellation, c'est-à-dire cet éther-là, ça ressemble un peu, on y reviendra, à ce qu'on appelle le vide quantique. Alors, on voit qu'il y a quand même une tendance générale qui se dessine là. Les tentatives de contester l'existence du vide, sous l'argument qu'il serait une notion superflue, conduisent à introduire d'autres notions, d'autres avatars, qui jouent de fait un rôle analogue. Et donc, quand on veut nier le vide, on remplace le vide qu'on nie par autre chose qui ressemble au vide. Comme si l'existence du vide, sous une forme ou sous une autre, était en fait indispensable. Toute branche de la physique, quelle que soit l'époque qu'on considère, a fait appel à lui pour tenter de résoudre ses problèmes les plus fondamentaux. Alors il y a une autre étymologie que celle qu'invoque Aristote, qui fait dériver le terme « éther » du verbe « aitein » qui veut dire « brûler ». Et d'ailleurs Platon l'utilisait, ce mot, pour qualifier le ciel, la partie, je cite, la partie pure du monde où sont les astres, proche de la région du feu. Se rajoutant aux quatre éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'éther constitue un cinquième élément, une cinquième essence, une quintessence, et cette quintessence a un statut qui, dans des termes plus modernes, exprime une sorte de zone intermédiaire entre la matière et le vide. Et ça sera une chose, un argument que j'utiliserai abondamment par la suite. Alors, hier soir, avant de préparer cette conférence, j'ai rencontré l'une de mes voisines qui a jugé que j'étais trop stressé. Je lui ai dit c'est à cause de la conférence de demain. Et elle m'a dit « Monsieur Klein, vous devriez apprendre à faire le vide. » Bon. Et je dois dire que cette injonction m'a laissé perplexe, d'autant que je venais de faire le plein dans la station-service du quartier. Hein. Parce que la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire faire le vide? Que veut dire faire le vide? Alors très fréquemment, on définit le vide comme étant le vidé. C'est-à-dire on dit, le vide c'est ce qui reste dans un récipient par exemple, après qu'on en a extrait tout ce que l'on peut enlever. C'est évidemment une conception très commode, et d'ailleurs c'est celle que nous avons en tête lorsque nous parlons habituellement du vide. Toutefois, il faut bien voir qu'une telle définition est en réalité toute théorique, car même si l'on réussissait à vider une enceinte de tout l'air qu'elle contient, elle serait encore remplie du rayonnement électromagnétique émis par les parois. À moins que ces dernières soient refroidies au zéro absolu,
ce qui exigerait l'absence de tout contact avec un autre objet de température non nulle. Donc le véritable vide entendu dans ce sens ne peut exister réellement, parce que quand on fait le vide de cette façon, il reste toujours quelque chose. Du coup, le vide ainsi défini demeure un concept, une sorte d'idéalité qui est en pratique inaccessible. On ne peut donc pas dire que le vide soit bêtement le vidé. Il faut plutôt penser le monde réel comme la superposition à ce vide inaccessible de la totalité des objets qu'il contient. Le vide serait cette chose au fond des choses. Et d'ailleurs, de l'Antiquité dont j'ai parlé, c'est là que ça a commencé, jusqu'au Moyen-Âge, on s'est, comme vous le savez, furieusement bagarré à propos de l'existence du vide, jusqu'à aboutir à la fameuse formule de Roger Bacon, « La nature a horreur du vide ». Et cette phrase a été prise très au sérieux, au point d'ailleurs qu'elle a conduit, à un moment donné de l'histoire, à envisager l'horreur du vide qu'éprouverait la nature, comme une véritable force capable d'agir sur les objets. Par exemple, au Moyen-Âge, on croyait, à tort, que l'eau, comme tous les autres corps, se contracte quand elle devient solide, autrement dit que la glace occupe moins de volume que l'eau liquide. Vous savez que c'est faux. Le volume de la glace est plus élevé que le volume d'eau liquide. Et donc on interprétait le fait qu'une bouteille d'eau se casse sous l'effet du gel en disant que la nature préfère briser la bouteille plutôt que de laisser du vide se former à l'intérieur. Et donc ce qui casse la bouteille, ce n'est pas la pression de la glace qui occupe un volume plus grand que le liquide, c'est la nature qui a tellement horreur du vide qu'elle préfère casser la bouteille plutôt qu'autoriser la contraction de l'eau en glace qui laisserait des espaces vides. Alors Bachelard, pour résumer cette conception du vide, a trouvé une jolie formule. Il disait, je cite, « que le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant ». Fin de citation. Et dans ce cas, faire le vide consiste en une opération si dangereuse que, n'en déplaise à ma voisine, je ne me risquerai pas à la tenter. Alors, de nos jours, on continue à dire que le vide, c'est le vidé. Et c'est problématique pour la raison que je viens de dire. Et puis, il y en a une autre. C'est que si le vide existe, c'est qu'il n'est pas rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier. Mais curieusement, ce quelque chose de particulier qu'il est ne doit pas être enlevé quand on fait le vide, sous peine de faire du vide en question un pur néant qu'il ne peut pas être puisqu'on vient de dire qu'il était quelque chose. D'accord ? Et donc à partir du moment où vous dites que le vide existe et n'est pas le néant, eh bien, la division « le vide, c'est le vidé » devient problématique, puisque pour faire le vide, il faut tout enlever, absolument tout, sauf le vide. Parce que si vous enlevez le vide, quand vous faites le vide, il reste le vide dont vous venez de postuler qu'il n'était pas le néant. Et donc, ça devient embêtant, puisque la question se pose de savoir que doit-on inclure dans ce tout qu'on enlève pour faire le vide? Par exemple, est-ce qu'on doit considérer que l'espace ne fait pas partie du vide et qu'on doit donc l'enlever quand on fait le vide? Ou bien doit-on considérer que l'espace est un élément du vide, auquel cas il faut le garder quand on fait le vide? Descartes, par exemple, faisait remarquer que nous qualifions de vide une cruche qui contient de l'air, sous prétexte qu'elle est faite pour contenir de l'eau et non de l'air. Nous la disons vide alors même qu'elle n'est pas vide puisqu'elle contient de l'air. Ainsi, pour dire ce qu'est le vide, il faut pouvoir définir a priori
ce qu'on doit enlever. Je peux en principe encore ôter l'air que contient la cruche. À l'époque de Descartes ou à l'époque de Galilée, ce n'était pas si simple. Et la laisser subsister en tant que contenant. Donc il y a une cruche sans air. Si j'enlève la cruche, il subsiste encore un lieu, un espace. Où dois-je m'arrêter? Où se termine la panoplie des objets que je dois ôter pour réaliser le vide? Et vous voyez que poser cette question, c'est comprendre que le tout de la phrase « le vide, c'est ce qui reste après que j'ai tout enlevé », va différer selon que je me réfère à telle ou telle théorie physique, à telle théorie physique ou à telle autre. C'est seulement à partir des objets auxquels la théorie reconnaît une existence qu'il est possible de définir par antithèse tel ou tel type de vide. Et ça, c'est la première conclusion importante de mon propos, c'est que la notion de vide apparaît dépendante du mobilier ontologique de la théorie que l'on choisit comme référence. Et donc le vide de la mécanique classique, par exemple, ne sera pas le vide de la théorie de la relativité restreinte. Le vide de la théorie de la relativité restreinte ne sera pas le même que celui de la relativité générale, qui lui-même ne sera pas le même que celui de la théorie quantique. Donc parler du vide sans dire à quelle référence, sans dire quelle théorie on prend comme référence, c'est aussi vain que de parler du temps sans dire à quelle théorie on fait référence. Par exemple, en physique quantique, le vide n'est pas l'espace vide. Donc le vide est plein de quelque chose. De quoi? Eh bien, on pourrait dire de façon métaphorique que le vide quantique est rempli de ce qu'on pourrait appeler de la matière fatiguée, c'est-à-dire de particules qui sont bel et bien présentes, elles sont là dans l'espace et dans le temps, elles sont présentes, mais elles n'existent pas réellement. Je veux dire par là qu'elles ne possèdent pas assez d'énergie pour pouvoir vraiment se matérialiser, et de ce fait, elles ne sont pas directement observables. C'est pour cela qu'on les appelle des particules virtuelles, non pas au sens où elles seraient hypothétiques, mais au sens où leur énergie est inférieure à leur énergie de masse. Pour le dire autrement encore, elles ont une énergie qui est inférieure à mc², où m est la masse qu'elles ont lorsqu'elles sont réelles. Elles sont donc dans une sorte d'ontologie endormie, un peu comme des belles au bois dormant. Alors comment les faire exister vraiment? Comment les rendre réelles? Eh bien, c'est tout simple, il suffit de leur donner l'énergie qui manque à leur pleine incarnation. En gros, il faut leur donner une énergie égale à mc², où m est leur masse, et c est la vitesse de lumière en vertu de la formule d'Einstein. Et il se trouve que le vide quantique peut jouer ce rôle de prince charmant. C'est-à-dire le vide quantique, par lui-même, par ses propres attributs, si on veut dire, est capable de réveiller la belle au bois dormant. Et pour ça, pour faire cela, il joue non pas le rôle de prince charmant directement, mais il joue le rôle de banquier. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un prince charmant, même si on peut trouver des exceptions. Autrement dit, le vide quantique accepte de prêter de l'énergie aux particules virtuelles qui sont en son sein, à la stricte condition qu'elle lui restitue très rapidement l'emprunt. Et donc le vide, c'est la formule de Heisenberg pour ceux qui connaissent, prête de l'énergie d'autant plus facilement qu'il a la garantie qu'il sera remboursé rapidement. Et en vertu de ce contrat, les particules virtuelles peuvent absorber l'énergie proposée par le vide. Elles peuvent donc sortir du vide en devenant réelles, mais avec l'obligation d'y retourner presque aussitôt pour s'annihiler et ainsi rembourser leur dette énergétique. Et donc il faut voir le vide quantique comme un milieu très fluctuant. Vous voyez des particules qui sortent, mais en fait elles y retournent très rapidement. Elles sont instables.
et elles paient donc de leur vie même, puisqu'elles s'annihilent, leur escapade très brève dans l'ontologie radicale. Heureusement pour nous, enfin pour les physiciens, il y a un autre moyen plus efficace de réveiller le vide quantique et donc de rendre réelles et vivantes les belles au bois dormant qui y végètent. Il suffit de faire entrer en collision des particules de haute énergie. Ce qu'on fait grâce aux accélérateurs de particules et aux collisionneurs de particules, comme on les appelle, puisque les particules qui entrent en collision avec des énergies très élevées offrent gratuitement, c'est ce qui les distingue des banquiers, leur énergie au vide. Ces particules virtuelles absorbent l'énergie qui leur est offerte, absorbent même un peu d'énergie cinétique qui leur permettent de sortir du vide, de devenir réels et de s'échapper définitivement hors de leur repère. Elles qui faisaient un somme depuis plusieurs milliards d'années, puisque dans le passé très lointain, l'énergie de l'univers était suffisante pour que toutes ces particules virtuelles aient l'énergie qui leur manque aujourd'hui, elles qui faisaient un somme depuis plusieurs milliards d'années retrouvent la vitalité qu'elles avaient dans l'univers primordial et s'extraient du vide quantique avec une énergie qui est plus ou moins grande. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que un collisionneur de particules comme le LHC au CERN est simplement une sorte de bouilloire qui est capable de chauffer le vide quantique et d'ainsi offrir une cure de jouvence à l'univers. C'est grâce à ce stratagème qu'on a détecté en 2012, comme vous le savez, le boson de Higgs, particule qu'on a violemment extirpée du vide et qui a pu être détectée par deux énormes détecteurs. Et donc, vous voyez que le vide quantique, c'est pas le vide qui serait réduit à l'espace. C'est pas non plus la matière telle qu'elle nous est donnée dans la vie courante. C'est une sorte de zone intermédiaire. C'est une sorte de prologue de la matière. On pourrait dire que la matière est dans le vide et que le vide est dans la matière. Il n'y a pas vraiment de séparation radicale entre les deux. Et d'ailleurs, vous savez que le 29 octobre, 1647, donc il y a très longtemps, il y a presque 4 siècles, Blaise Pascal a écrit une lettre au Père Noël. Alors, oui, c'est vrai. Bon, c'est pas le Père Noël des sapins. C'est le révérend Père Noël, hein, qui était un jésuite, qui défendait l'idée que le vide ne pouvait pas exister. Il était recteur de la Société de Jésus et il argumentait avec Blaise Pascal, pour tenter de le convaincre que le vide ne pouvait pas exister. Et dans une réponse que Blaise Pascal lui fit, dans cette lettre datée du 29 octobre 1647, on trouve cette phrase extraordinaire de Blaise Pascal qui dit « Il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel. » Ainsi, le vide tient le milieu entre la matière et le néant. C'est une phrase que je trouve absolument incroyable, puisque, sans encore une fois vouloir faire de correspondance historique trop directe, c'est exactement le statut que la mécanique quantique donne au vide quantique. Le vide quantique tient le milieu entre le néant et la matière. Alors, s'il fallait raconter évidemment toute l'histoire du vide, notamment au Moyen-Âge, à la Renaissance, où cette idée revient en force, et puis par la suite, avec la naissance de la physique moderne, Newton et tous les autres, je n'aurais pas assez de temps pour le faire. Mais quand même, un rapide survol de l'histoire de la physique montre comment la question du vide a pu exacerber les difficultés conceptuelles de telle ou telle théorie et comment, en contrepartie, les efforts entrepris pour clarifier cette notion ont constitué un très efficace moteur de progrès. Tiens, la réflexion sur le vide a été aussi motrice que la réflexion sur la matière, puisque l'un et l'autre se pensent dialectiquement. Au gré des époques et au gré des théories, le statut du vide a oscillé entre celui d'un néant privatif, une sorte de concrétisation du rien,
est celui d'une substance quasi-matérielle, munie d'une panoplie d'attributs, qui en font un objet physique à part entière, qualifié d'éther, selon les circonstances, ou bien de quintessence, ou bien encore d'autres choses. Et donc, souvent, le vide plane entre ces deux extrêmes, notamment lorsqu'on le fait jouer sur la scène de la géométrie. Ses propriétés d'extension ou de symétrie conduisent à l'assimiler à l'espace d'abord, puis à l'espace-temps, après Einstein en 1905. Et donc, le vide fait toujours office d'agent de liaison entre deux courants opposés de la pensée. Tantôt, on cherche à résoudre les problèmes du côté de la géométrie, avec l'espace, tantôt du côté de la substance, avec la matière, l'éther, sans que la physique parvienne jamais à se cantonner dans un camp unique. Et ce qui fait le passage entre les deux camps, celui de la géométrie, celui de la matière, c'est le vide. C'est une sorte de joker, c'est à lui ou à l'un de ses avatars qu'on fait appel pour résoudre un problème qu'on ne peut pas résoudre sans lui. Je vous donne un exemple, et même deux. Première loi physique moderne identifiée par Galilée, la chute des corps. Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Nous on voit que les corps de masse différente tombent avec des vitesses différentes, et c'est même très compliqué, parce qu'on pourrait dire, en apparence, les corps les plus lourds tombent plus vite que les corps les plus légers. Oui, mais si vous mettez un parachute sur un corps très lourd, il peut tomber moins vite qu'un corps plus léger. Donc c'est vraiment pas simple. Et Galilée, qui lui croit l'existence du vide, alors à une époque où personne n'a pu faire le vide au sens premier du terme, a l'idée que le vide c'est un état limite, c'est un cas limite. Et que si on pouvait réaliser ce cas limite, c'est-à-dire si on pouvait faire le vide, alors dans cet espace vide, tous les corps tomberaient exactement à la même vitesse. Ce qui est la première loi physique, et vous voyez que cette première loi physique invoque l'idéalité d'un milieu qu'on ne peut pas réaliser, en tout cas pas à cette époque, mais qu'on peut penser. Et comment l'existence du vide, invoquée par Galilée, lui permet de résoudre le problème de la chute des corps dans des milieux qui ne sont pas vides. Autre exemple, deuxième moitié du XIXe siècle, les gens pensent que la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques, donc c'est un phénomène vibratoire. Vibratoire, ça veut dire qu'il doit exister un milieu qui porte cette vibration au travers de sa propagation dans l'espace. Ce milieu, c'est l'éther luminifère dont j'ai parlé. Question, quel est son statut? Quelles sont ses propriétés? Les gens commencent à discuter de ça à partir de 1850. Et à la fin du XIXe siècle, on voit qu'il y a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a deux théories qui s'imposent, qui ont fait leurs preuves chacune dans son domaine. La première, c'est la mécanique de Newton, dont un des principes, il y en a trois, c'est le principe de relativité, énoncé par Galilée, qui lui-même l'a repris de Giordano Bruno. Que dit le principe de relativité? Il dit que le mouvement est comme rien. Ça veut dire que quand vous êtes en mouvement, par exemple dans un train, on ne sait pas l'exemple que prend Galilée, mais je modernise son propos. Quand vous êtes dans un train à vitesse constante qui roule en ligne droite, tout se passe dans votre wagon, pour ce qui est des phénomènes physiques, exactement comme si vous étiez sur le quai de la gare. Donc le fait d'être en mouvement ne change rien aux lois physiques. Les phénomènes sont les mêmes. Si vous laissez tomber un objet, il tombera à vos pieds dans le wagon où vous êtes, de la même façon qu'il tombait à vos pieds lorsque vous étiez à la gare. Donc le mouvement est comme rien. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels. Donc tous les référentiels sont équivalents. Il n'y a pas un référentiel dont vous puissiez dire celui-là en particulier, il est plus ceci ou plus cela que tel autre. Ça n'a aucun sens. Il y a ce qu'on pourrait appeler une démocratie des référentiels.
tous les référentiels sont, non pas égaux, ils se distinguent par leur vitesse relative, mais ils sont équivalents. Mais alors, s'ils sont équivalents, il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile. Je pourrais dire par exemple que cet amphithéâtre correspond à un référentiel immobile. Très bien. Mais un référentiel qui se déplacerait à une vitesse constante par rapport à nous serait mobile par rapport à ce référentiel-là. Il pourrait dire, lui, que notre référentiel est mobile par rapport à lui. Et comme tous les référentiels sont équivalents, en fait, il n'y en a aucun qui puisse dire « Moi, je suis plus immobile que toi. » Conclusion. Le principe de relativité de la mécanique implique qu'il n'existe aucun référentiel dont nous puissions dire qu'il est absolument immobile. Ça, c'est la première conclusion. Maintenant, si on prend l'autre théorie qui marche bien au XIXe siècle, qui est la théorie de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, à partir d'elle, puisque c'est cette théorie qui décrit la lumière, on peut regarder quelles sont les propriétés de l'éther. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est élastique? Etc. Et à mesure qu'on étudie ces propriétés en s'appuyant sur la théorie de Maxwell, on découvre qu'en fait, il n'y a aucune propriété. Ou plutôt, l'éther, c'est un peu comme l'espace. Il n'y a rien dedans. Il n'est pas solide, il n'est pas élastique. C'est une sorte d'espace, mais qui a toutefois une propriété singulière, c'est qu'il doit être absolument immobile. Voilà. Donc le statut de l'éther, tiré des équations d'électromagnétisme, est en contradiction avec les principes de la mécanique de Newton. Et à partir de ce moment-là, les gens se disent on va mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, expérience de Michelson, vous connaissez tout ça par cœur. Et la plupart des physiciens de cette époque, qui sont peu nombreux à s'occuper de tout cela, il y a Poincaré, il y a Lorentz, sont des gens qui vont essayer de faire entrer l'éther dans la mécanique, au prix de contorsions sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Mais en 1905, il y a un jeune homme qui dit « Finalement, l'éther nous pose beaucoup de problèmes. » Il a un statut qui est paradoxal. Et ce jeune homme, en fait, il réfléchit à cette question depuis son adolescence, depuis ses 15 ans, disons, 15-16 ans. Et en 1905, il décide de frapper fort en disant, en substance, l'éther nous pose des problèmes. Si on le supprime, les problèmes qu'il pose sont supprimés. Ce jeune homme s'appelle Albert Einstein. Et en juin 1905, il proclame la mort de l'éther, ce qui change tout, absolument tout, puisque du coup, la lumière qui était simplement un mode de vibration d'un milieu particulier qui s'appelait l'éther, devient un objet physique autonome. La lumière existe par elle-même et non pas parce que quelque chose la porte et la transporte. La lumière se propage dans le vide. Voilà, et donc par ce geste, Einstein non seulement invente la théorie des champs, puisque la lumière va être décrite par un champ électromagnétique autonome sans support, et prenant acte de ce statut, et prenant acte aussi du fait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, c'est un absolu, va changer complètement les relations qu'on croyait définitives entre la notion d'espace et la notion de temps, et ça va aboutir à ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte. Et donc vous voyez que là, on a quelque chose qui est révolutionnaire, et le vide a été déduit, si vous voulez, d'une conséquence d'une réflexion théorique menée par un certain nombre de physiciens et que Einstein a résolu d'une façon très originale. Alors qu'à l'époque, je crois, aucun physicien n'était capable de concevoir la possibilité qu'un phénomène vibratoire puisse se propager sans support. Alors ça m'inspire, à cette étape de mon propos, deux remarques. La première, c'est qu'on invoque le vide autant que de besoin.
mais sans toujours pouvoir préciser son statut exact, ni établir toujours une théorie satisfaisante. Et donc, la discussion sur le vide apparaît toujours pour entretenir ou raviver le grand débat entre la connaissance de la réalité et la réalité de notre connaissance. C'est-à-dire que quand on essaie de connaître la réalité, on a toujours dans la tête certaines idées, et l'idée de vide va servir de support à l'incarnation de ces idées. On va se servir du vide, quitte à le remplir d'ailleurs, pour faire passer des idées qu'on a sur la réalité. Et ça a à voir peut-être avec une sorte de théologie négative, ou, pour le dire autrement, avec une démarche apophatique. On ne sait pas toujours dire ce qu'est le vide, mais on est capable de dire ce qu'il n'est pas. Donc on le définit par négativité. L'autre remarque, c'est que toutes les grandes révolutions de la physique ont modifié le statut du vide. Et au passage, c'est intéressant de remarquer que le mot vide a gardé le même nom, malgré des bouleversements radicaux qui ont été produits au cours de l'histoire. Et cette persistance tient peut-être au fait que les concepts physiques fondamentaux, à savoir la matière, l'espace, le vide, le temps, peut-être l'énergie, on pourrait ajouter, sont toujours solidaires de catégories plus générales de la pensée qui exigent un raccord entre eux en même temps qu'un lien à l'expérience commune. Car l'expérience commune, même lorsqu'elle est critiquée, continue d'informer ce que nous concevons comme intelligibilité. Chaque époque ou chaque conception scientifique pourrait ainsi se penser en définitive comme le système où se donnent mutuellement sens des concepts tels que vide, espace, matière, temps, énergie. Alors, j'ai préparé plus de choses que j'ai le temps de les dire. Donc, je vais passer directement à une histoire qui me plaît beaucoup et qui montre comment, à une certaine époque, en l'occurrence la fin des années 1920, le vide s'est brutalement rempli. Donc c'est une histoire qui, commence en 1927, précisément, avec un personnage très important, physicien britannique, Paul Dirac, qui à l'époque a 27 ans, et qui va, 26 ans même, et qui va résoudre un problème extraordinaire. Le problème, il est très facile à énoncer, très difficile à résoudre. Il tient en ceci. À la fin de l'année 1925, pendant les vacances de Noël, un physicien autrichien qui s'appelle Schrödinger a publié une équation qui permet de décrire le comportement de l'électron. C'est une équation qui est quantique. Elle est quantique au sens où elle s'appuie sur les principes de la mécanique quantique. Elle décrit l'électron par ce qu'on appelle une fonction d'onde. Mais on voit bien qu'elle ne marche pas bien quand la vitesse de l'électron devient très grande. Très grande, ça veut dire non négligeable devant la vitesse de la lumière. Pour le dire en d'autres termes, cette équation n'est pas relativiste. C'est-à-dire, elle est quantique, mais elle ne marche pas quand les vitesses des objets réclament la cinématique qu'Einstein a publiée en 1905, la relativité restreinte dont je viens de parler. C'est une théorie, l'équation de Schrödinger, qui ne respecte pas les principes de la relativité. Or, un électron, qui est un objet minuscule, peut être également très véloce, et il peut même se déplacer pratiquement à la vitesse de la lumière, comme c'est le cas dans le rayonnement cosmique. À l'époque, il n'y a pas d'accélérateur d'électrons, donc cette observation ne vaut que pour les particules du rayonnement cosmique. Et ce double statut, minuscule, véloce, ou possiblement véloce, implique qu'on doive décrire l'électron d'une façon qui soit à la fois quantique, parce qu'il est petit, et relativiste, parce qu'il est rapide. Et cette ambition-là, la relativité ne l'atteint pas puisqu'elle n'est pas quantique, et la physique quantique ne l'atteint pas non plus, puisque à l'époque, elle n'est
que non relativiste. Et Dirac et quelques autres comprennent qu'il va falloir qu'ils construisent une nouvelle théorie, une nouvelle équation, qui soit à la fois quantique et relativiste pour décrire les particules qui sont petites et véloces. Alors Dirac, comme il le dit lui-même, il commence par jouer avec des équations pour voir ce qu'elles donnent de beau. Dirac pensait que ne pouvait être vrai que les belles équations. Alors quand on lui disait « mais qu'est-ce que c'est une belle équation ?», il répondait « si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire, si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. » Et il travaille d'arrache-pied pendant plus d'un an, et le soir de Noël 1928, il est assis à son bureau du collège Saint John à Cambridge, il pose son stylo sur son cahier et il se dit « tiens, j'ai l'équation, je la tiens. » Et il a en effet découvert ou écrit ou trouvé, je ne sais pas comment il faut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation de Dirac, l'équation qui porte son nom. C'est une équation qui est quantique, elle décrit les particules par des fonctions d'ondes, et elle est relativiste parce qu'elle marche, elle s'appuie sur la cinématique développée par Einstein. Mais assez rapidement, Dirac constate que son équation recèle quelque chose d'étrange, qui va d'ailleurs dérouter les physiciens et même susciter des réactions très très violentes de leur part. C'est qu'il remarque que certaines des solutions de son équation correspondent à des particules d'énergie négative. Or, toutes les particules connues à cette époque-là, et c'est toujours vrai d'ailleurs, ont une énergie positive, y compris celles qui sont immobiles, puisque leur énergie est alors égale à leur énergie de masse mc². Si des particules d'énergie négative existaient, elles auraient donc aussi une masse négative. Ce qui veut dire que sous l'action d'une force, elles se déplaceraient dans le sens contraire à celui des particules ordinaires, qui sont toutes, je l'ai dit, dotées d'une masse positive. Par exemple, si ce verre avait une masse négative, je lui donne un coup de poing, au lieu de partir dans votre direction, il viendrait dans la mienne. Personne n'a jamais vu ça, les particules ne sont pas des mules. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois accepter ces énergies négatives qui semblent absurdes, et donc rejeter mon équation? Ou bien est-ce que ces nouvelles solutions, ces nouvelles possibilités, me disent quelque chose de nouveau sur la nature? Et pendant 3 ans, il y a un flottement, il y a des controverses, il y a des discussions. Dirac passe par des moments quasiment dépressifs. Et en mai 1931, il finit par comprendre, une sorte d'oreca d'ailleurs qui raconte, que les énergies négatives, apparues comme solution nouvelle de son équation, doivent être associées à une nouvelle particule jamais observée, qui a nécessairement la même masse que l'électron et une charge électrique opposée à la sienne. Donc il comprend que ces particules d'énergie négative qui apparaissent dans les solutions de cette équation, c'est en fait de nouvelles sortes de particules, qu'il va appeler des antiparticules. Et pour ce qui est de l'électron, il va baptiser positron, l'antiparticule de l'électron, qui doit avoir la même masse que l'électron, et une charge électrique opposée, c'est-à-dire en l'occurrence positive. Il montre aussi qu'un électron et un positron ne peuvent jamais apparaître qu'ensemble, c'est-à-dire toujours par paire, un peu comme des frères jumeaux. Bon, ces antiparticules ont été découvertes dans les rayonnements cosmiques dès 1932 par un physicien américain qui s'appelle Carl Anderson. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Dirac a pu, alors que les arguments mathématiques n'étaient pas très solides, comprendre dès cette époque-là, dès 1931, que ces particules ne pouvaient apparaître que par paires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une antiparticule sans créer en même temps la particule correspondante. On ne peut pas créer un positron sans créer en même temps un électron. Et bien comment est-ce qu'il l'a trouvé? En proposant précisément
une nouvelle image du vide, qu'il conçoit non pas comme un espace qui serait débarrassé de tous les objets qu'il contient, ce qui était la conception qu'on en avait à l'époque, mais comme étant un espace plein d'électrons. Selon lui, des électrons peuvent se trouver dans les états d'énergie négative qui sont en nombre infini, et ces électrons forment ce qu'il appelle la mer de Dirac, une sorte de vide truffé de particules. En fait, tous les états d'énergie négative sont occupés par des électrons. Le vide est complètement plein d'électrons. C'est ça la mer de Dirac. Mais ces électrons d'énergie négative, qui sont dans les cases du bas, ne sont pas directement observables. Ils demeurent enfouis dans la mer. Et tout se passe pour nous comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que quand tous les trous qui sont dans la mer de Dirac sont occupés par des électrons, tout se passe comme si ces trous n'existaient pas, ni les électrons qui les habitent. Ce qui est détectable, et c'est ça qui est génial chez Dirac, ce qui est détectable en revanche, c'est tout changement qui se produit à partir de cette situation de départ. Si un électron, sous l'influence d'un événement qui lui confère de l'énergie, par exemple un photon qui passe d'un état d'énergie négative à un état d'énergie positive, il devient par là même subitement observable et le trou qu'il a laissé dans la mer le devient aussi. Autrement dit, si vous expulsez un électron d'énergie négative de son trou, il saute vers le haut, il acquiert une énergie positive qui le rend observable. Et ce que vous voyez, c'est un électron. Mais en quittant le trou, il a laissé un trou de charge positive, qui est l'équivalent du positron. Donc en créant l'électron, vous créez en même temps son antiparticule, assimilé dans ce modèle-là, qui n'a pas duré d'ailleurs, au trou laissé vide par l'électron qu'il a quitté. Dans ce schéma, ce trou n'est autre que l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire le positron, apparu en même temps que l'électron lui-même. Un électron ne peut donc être créé sans qu'aussitôt un positron le soit aussi. En somme, pour Dirac, qui avait une conception classique du couple, l'idée de mère va de pair avec celle de père. Alors, je vous laisse vérifier l'orthographe. Il y a du grain à moudre pour les psychanalystes qui sont dans la salle, qui pourront en discuter entre eux, entre pairs, si j'ose dire. Bon, on va arrêter ça. Alors, pour les psychanalystes, j'ai une autre histoire. C'est qu'à la fin de sa vie, Dirac est mort en 82 ou 84, je ne sais plus, 84, à 82 ans. On lui a demandé, mais comment cette idée vous est venue? Comment vous avez pu imaginer, alors que les arguments expérimentaux étaient inexistants, les arguments théoriques étaient faibles, comment vous avez pu avoir cette idée de la création par paire, l'idée qu'on ne peut pas créer une particule sans créer son antiparticule et réciproquement? Il raconte que quand il était enfant, sa mère lui avait raconté une histoire qui l'avait beaucoup marqué. C'était l'histoire d'un prêtre catholique qui, en Irlande, avait été affecté à une nouvelle paroisse et qui, pour faire connaissance de ses ouailles, avait entrepris de rendre visite à toutes les fermes qui étaient dans ce village ou alentour. Et un jour, il frappe à une porte dans une ferme, une mère de famille lui ouvre et le fait entrer dans une grande pièce où il y a beaucoup d'enfants. Et le prêtre remarque assez rapidement que tous ces enfants sont appariés. C'est-à-dire, il y a que des jumeaux. Et le prêtre, intrigué, demande à la mère de famille, mais vous n'avez donc fait que des jumeaux? Et la dame répond, non, mon père. Parfois, avec mon mari, on ne fait rien. Bon. Alors, pour finir sur le vide, je voudrais parler un peu du boson de Higgs. Parce que, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais il faut que je me dépêche.
Je vais vous le faire en 5 minutes parce que ça a à voir avec le vide, justement. Dans les années 60, les physiciens ont compris qu'il existe quatre interactions fondamentales. La gravitation, la force électromagnétique, les forces nucléaires, il y en a deux, la faible et la forte. La gravitation est décrite par Einstein dans sa relativité générale. C'est une force qu'on néglige ou qu'on ignore quand on fait de la physique des particules tellement elle est négligeable en intensité par rapport aux autres. Et donc le problème à résoudre, c'est comment décrire l'électromagnétisme, comment décrire l'interaction nucléaire faible, et pareil pour l'interaction nucléaire forte. Et émergent après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, des idées assez incroyables qui consistent à associer à chacune de ces interactions un groupe de symétrie mathématique. Par exemple, pour l'électromagnétisme, le groupe de symétrie qui va bien, c'est le groupe des nombres complexes de module 1. Vous avez les nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle I alpha, où alpha est un nombre quelconque. Là, quand vous prenez le module de ce nombre complexe, vous trouvez 1. Quand vous multipliez deux tels nombres, ça fait un nombre du même type, etc. Donc ça forme un groupe. Et c'est un groupe mathématique qu'on peut postuler comme étant le groupe de symétrie, dans un certain sens, que je ne vais pas détailler, de l'électromagnétisme. Et une fois que vous avez choisi ce groupe et décidé, juste pour jouer, c'est une sorte d'hypothèse que vous faites, que c'est le bon groupe de l'électromagnétisme, alors vous l'insérez dans ce qu'on appelle les théories de jauge, et ça vous donne une description de l'interaction électromagnétique. Et cette nouvelle théorie qu'on appelle l'électrodynamique quantique a une efficacité opératoire tellement extraordinaire, permet de calculer des effets très fins qui sont vérifiés expérimentalement avec une grande précision, etc., que les gens ont l'impression que c'est la bonne méthode. En plus, ils arrivent à la généraliser, c'est-à-dire à l'étendre à la description de l'interaction nucléaire faible et de l'interaction nucléaire forte, avec des groupes de symétrie différents. Pour ceux qui connaissent, le groupe de symétrie d'interaction faible, c'est SU2, les matrices 2-2 spéciales unitaires, et pour l'interaction forte, c'est SU3, les matrices 3-3 spéciales unitaires. Et dans ces scénarios, dans ces modèles théoriques, si vous voulez, quand deux particules interagissent, par exemple quand deux électrons se repoussent par la force électrique, il faut imaginer qu'en fait, ils échangent une particule qui est caractéristique de l'interaction. Par exemple, dans le cas que je viens de prendre, les deux électrons se repoussent par répulsion électrostatique, par le fait qu'ils échangent des photons virtuels. Des photons qui sont les médiateurs de la force, et ils sont virtuels parce qu'ils sont en dehors de leur couche de masse. C'est un petit détail. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'une interaction entre deux particules se médiatise au travers de l'espace par l'échange d'une autre particule qui est caractéristique de l'interaction. Pour l'interaction faible, les particules, les ballons comme on l'appelle, on échange des ballons en fait, les ballons d'interaction nucléaire faible, c'est ce qu'on appelle les bosons intermédiaires, et les ballons d'interaction nucléaire forte, c'est ce qu'on appelle les gluons. Tout ça marche très bien, on a là une théorie qui rencontre des résultats expérimentaux qui s'accumulent, c'est l'époque où on met en service des machines en Europe, en Union soviétique, aux États-Unis, de plus en plus puissantes, qui permettent d'accéder à des données résultant de collisions de particules qui permettent de tester les modèles. Et tout va très bien. Sauf que, en 1964, 63 plutôt, des physiciens se demandent qu'est-ce qui se passerait, c'est une sorte d'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si ce modèle théorique, qu'on appellera plus tard le modèle standard, qu'est-ce qui se passerait si ce modèle standard était vraiment vrai? Et la conclusion à laquelle ils arrivent rapidement, qui est d'ailleurs très simple à identifier, c'est que si cette théorie était vraie, alors les masses de toutes les particules qui sont porteuses des interactions, tous les ballons dont j'ai parlé, seraient nulles. Toutes les interactions seraient véhiculées par des particules de masse nulle, comme c'est effectivement le cas pour le photon, le médiateur de l'interaction électromagnétique, mais pas du tout le cas pour l'interaction nucléaire faible, qui elle a des ballons très lourds, dont la masse est au moins 100 fois celle du, près de 100 fois celle du proton. Et puis par une sorte de contagion théorique, si les ballons qui médiatisent les interactions ont une masse nulle,
les particules de matière qui subissent les interactions doivent aussi avoir une masse nulle. Donc, le modèle standard, qui a l'air de si bien marcher quand on le confronte aux observations, contient en son sein même, dans son assise théorique la plus profonde, quelque chose qui contredit les observations, les mesures, puisque un électron a une masse non nulle. À l'époque, on ne parlait pas de quarks, on ne les avait pas trouvés ni même imaginés, mais les quarks ont une masse non nulle, etc. Donc les particules élémentaires de matière ont toutes une masse non nulle. Et donc la théorie qui est si efficace contredit un fait brut, à savoir que les particules de matière ont une masse non nulle. Et donc, il y a eu des débats, évidemment, des discussions. Il y a des physiciens qui se sont dit bah, c'est que le modèle est faux. Il faut trouver d'autres techniques, d'autres arguments théoriques pour décrire les interactions. Et puis, en 64, au mois de juin et au mois d'août, deux physiciens, enfin, un premier groupe de physiciens, deux physiciens qui s'appellent Englert et Brout. L'un est belge, l'autre est américain naturalisé belge. Ils écrivent ensemble un petit papier d'une page et demie sur cette question. Et ils seront suivis par un autre physicien écossais qui s'appelle Peter Higgs, qui va écrire le même papier à peu près. Ils ne se connaissent pas, hein. Ils n'ont jamais discuté, mais ils ont la même idée en même temps, de façon séparée. Et lui va publier un petit texte d'une page et demie, comme les premiers, au mois d'août 1964. Et ce sont des gens qui savent que les lois physiques contredisent toujours l'observation. Par exemple, la loi de Galilée que j'évoquais tout à l'heure, qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quand on l'entend brutalement, est une loi qui contredit l'observation. Si je fais tomber ce verre en même temps que cette bouteille, d'une certaine hauteur, ils ne vont pas toucher le sol en même temps. Donc la loi de Galilée, quand je l'entends un peu bêtement, contredit l'observation. Et donc ils savent que une théorie peut avoir raison contre les faits, même si elle contredit les faits. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que les faits soient mal interprétés. Et en l'occurrence, il y a une idée avec laquelle on vit depuis, je ne sais pas quand, depuis Aristote, mais en tout cas depuis Newton, c'est qu'on n'arrive pas à penser l'idée de matière sans penser l'idée de masse. C'est-à-dire que dès que vous pensez à la matière, vous pensez à la masse. Vous avez du mal à imaginer une matière qui n'aurait pas de masse. Et dès que vous pensez à la notion de masse, vous l'imaginez incarnée par des particules de matière. Et donc il semblerait qu'il y a une sorte de solidarité conceptuelle entre la notion de matière et la notion de masse. Et bien ces trois physiciens que j'ai cités disent peut-être qu'on se trompe. Peut-être que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété intrinsèque qu'elles posséderaient. C'est-à-dire, elles n'ont pas de cette masse du seul fait qu'elles sont matérielles. Ce n'est pas automatique. Peut-être que la masse qu'elles ont est une propriété secondaire, qu'elles ne possèdent donc pas d'elles-mêmes, mais qui résulte d'une interaction qu'elles ont avec autre chose qu'elles-mêmes. Quelle est cette autre chose avec laquelle les particules interagissent? Le vide. À condition que ce vide ne soit pas vide. Et donc ces gens écrivent dans ce papier un truc absolument incroyable. Ils postulent que dans le vide, il existe un champ quantique, comme on dit, c'est-à-dire un champ qui est partout présent. Un champ très simple au sens mathématique du terme, c'est un champ scalaire. C'est un champ qui est décrit par un nombre réel classique, comme la température, si vous voulez. Alors qu'il y a d'autres champs physiques quantiques qui ont des structures mathématiques beaucoup plus compliquées. Lui, il est trivial, c'est un champ scalaire, partout présent, un peu comme l'éther, hein. Sauf que ce n'est pas l'éther luminifère, c'est une sorte d'éther, il est partout présent, il est uniforme, homogène, il se trouve dans tous les recoins de l'espace. Et les particules élémentaires qui se déplacent dans ce vide habité de ce champ ont une masse nulle, comme le dit le modèle standard, qui donc sur ce point a raison, on le prend au sérieux. Les particules élémentaires ont une masse nulle. Mais
l'interaction qu'elles ont avec le champ quantique, qui va s'appeler plus tard le champ de Higgs, cette interaction va leur donner une inertie que nous interprétons comme étant leur masse. Les particules qui ne sont pas couplées à ce champ ont une masse nulle et donc elles vont à la vitesse de la lumière. Et nous qui les voyons aller à la vitesse de la lumière, nous disons qu'elles ont une masse nulle. Celles qui, au contraire, ont un couplage avec ce champ, acquièrent une inertie proportionnelle à ce couplage. Elles vont donc moins vite que la lumière. Et nous qui les voyons, nous disons, tiens, elles ont une masse non nulle. Pour reprendre une métaphore qui a des limites, comme toutes les métaphores qu'on utilise dans le champ quantique, c'est juste l'idée qu'il faut retenir. Imaginez que le champ de Higgs, ce soit un champ de neige, d'épaisseur constante. Ça existe. Imaginez que les particules soient sans masse, mais qu'elles soient dotées de skis plus ou moins bien fartés. Les skis qui sont très bien fartés glissent sur la neige sans frottement, et nous dirons dans ce cas que les particules n'ont pas de masse. Les particules qui ont des skis mal fartés ont un frottement qui ralentit leur vitesse et leur donne l'apparence d'une masse. Et dans cette analogie, ce que vous appelez la masse n'est qu'une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. Autrement dit, les particules ont une masse parce que le vide n'est pas vide. D'accord ? Voilà l'hypothèse qui est faite en 1964. Le vide est plein de quelque chose, de ce champ de Higgs. Et en mécanique quantique, dès qu'il y a un champ, il y a des quantas associés au champ. Les quantas associés à ce champ, on les a appelés des bosons de Higgs. Et il a fallu 48 ans pour devenir capable de construire un accélérateur de particules, un collisionneur, le LHC, au CERN, qui fait 27 km de circonférence, grâce auquel on peut faire des collisions de protons à haute énergie, qui réchauffent le vide quantique. Et en l'occurrence, la machine l'a fait avec une énergie suffisante pour extraire du vide quantique quelques centaines de bosons de Higgs qui ont pu établir son existence, celle de la particule et donc celle du champ, et donc démontrer que le vide n'est pas vide. Voilà. Donc il est plein. Donc il faudrait l'appeler autrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.